circuit was quite dry, so it's no point winning further because the feeling, you know, the rear guy. Et salut à tous, on se retrouve pour la dernière manche du championnat 1999 de Formule 1, ici à Suzuka au Japon. Et vous pouvez le constater, la météo du week-end n'a pas l'air très glorieuse, avec les qualifications qui vont se dérouler, je pense, sous la pluie. Donc, on va faire les qualifications directement. Je vais faire nuageux, à voir si la météo s'améliore. Ce circuit met toujours les pilotes, tout comme les voitures, à rude épreuve avec sa forme en 8 et quelques redoutables virages. C'est un circuit difficile et technique. On va avancer un peu le temps, voir si ça s'améliore. Ouais, ça a pas l'air beaucoup mieux. Ah, il pleut plus. Mais écoutez, on va en profiter pour sortir des stands maintenant. On va essayer de rejoindre la piste. J'ai l'impression qu'il y a de la pluie. Attendez. Ouais. On va essayer de faire un tour, mais je me demande si c'est pas l'occasion peut-être de mettre des pneus tendres. Bon, c'est parti, donc on va découvrir ce Grand Prix de Suzuka, comme expliqué par mon cher Van Viet, qui est assez technique, qui est toujours d'ailleurs, c'est un circuit qui n'a pas trop évolué au fil des ans, pas dans sa configuration. Évidemment, toujours quelques parties d'herbe et de gravier qui ont été retirées pour faire place à du bitume. Et hormis cela, pas grand chose à dire au plat. Donc finalement j'ai bien fait d'avoir gardé les pneus pluie. Ça aurait été vraiment une académie de courte durée. On n'a pas besoin de rentrer au stand. Donc voilà, une course importante en tout cas pour nous, pour le championnat constructeur, parce que le championnat pilote est déjà arrêté comme vous le savez. Et du coup, on est en la lutte avec Ferrari qui est juste un tout petit peu derrière à quelques points, et McLaren qui est devant pour 8 points. Qui sous-entendrait qu'il faut qu'on remporte la course et qu'une McLaren termine pas mieux que 5ème, en tout cas pour égaliser, et qu'elle termine 6ème pour que l'on puisse être champion du monde. Alors je vous avoue que ça va être une tâche presque impossible. Mais les miracles peuvent arriver, donc pourquoi pas. En tout cas, on va d'abord tâcher de faire une bonne qualification pour partir le plus proche, en tout cas le plus en avant. Parce que c'est un cercle qui va être difficile pour dépasser. C'est parti pour la première tentative. Avec les premiers S. Parce qu'on voit les panneaux verts sur la gauche, mais en fait il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. On va voir un petit peu les écarts avec l'IA. Sachant qu'on est en début de séance, hein, donc les temps vont peut-être s'améliorer devant. 3 secondes de retard déjà sur Hakkinen. J'espère partir en tout cas dans le groupe de tête parce que sinon ça va être très très compliqué. On rappelle en 99 la lutte entre Irvine et Hakkinen, en tout cas pendant la séance d'essai, Irvine était parti lourdement à la faute avant l'épingle, arrachant toute la partie droite de sa Ferrari. On n'avait pas posé trop de problèmes pour la suite puisqu'il y avait évidemment les mulets et Irvine n'avait pas eu de soucis physiques. C'est la bonne nouvelle évidemment. On arrive dans la ligne droite, alors j'ai beaucoup de retard, je sais pas ce que ça va donner sur la ligne. Il a réussi. Et on a 3 secondes d'avance. Ok d'accord, donc on part avec 3 secondes de retard, on finit avec 3 secondes d'avance. Donc on a gagné 6 secondes dans le dernier secteur, tout va bien. On va voir si on peut faire un petit peu mieux dans le deuxième tour.
Ouais, si on va essayer de prendre un petit peu mieux, pas trop sortir large. Bon, le grip reste énorme avec les pneus de pluie hein, sur ce jeu. Franchement, je vois pas trop de différence avec le sec, enfin, même si j'ai pas encore roulé sur le sec dessus. Ce qui va potentiellement être le cas bientôt, puisque apparemment le week-end a l'air de se orienter vers l'amélioration pour le dimanche. On verra s'il pleut ou pas. 6e d'avance dans le premier secteur, c'est déjà bien. Allez, épingle. Alors je trouve que l'objectif principal reste de rester deuxième, c'est-à-dire finir devant Ferrari. Avec une voiture, précisons aussi, parce que bon, mon coéquipier ne marquera pas de points, je pense que c'est une évidence. Si on fait mieux, bon bah ça sera un miracle, si on fait moins bien, bah ça sera une déception tout simplement. Même si sur le plan comptable, on a largement atteint les objectifs d'une équipe comme Minardi sur une saison. Ah, j'ai perdu du temps là par contre dans le virage, faut vraiment pas aller sur le vibreur. Allez, sur la ligne. On va faire un petit peu mieux. Et non, une seconde de moins bien. Et oui, je pensais vraiment qu'on allait perdre du temps, et c'est le cas. Du coup, on va voir si on part bien ou pas. Et on va partir premier. Alors, réglage de la course. Les freins et les pneus, vous savez, les pneus. Section des pneus. Alors, on va des humides, hein, parce que j'ai l'impression qu'il va faire beau quand même. On va mettre des secs. Tendre. Moyen, on va garder comme ça. Faire ok. J'espère pour la course il fera beau. Ouais, il devrait faire beau. Donc on a normalement fait les bons réglages. Je vérifie quand même qu'il les a pris en compte, on sait jamais. Sec tendre, ok, bah écoutez, on est pas mal. On va donc lancer la dernière course de la saison. On a une McLaren juste derrière nous, celle d'Hakkinen qui est à partir deuxième. Près de lui se trouve Mika Hakkinen. Et en troisième place, nous retrouvons Michael Schumacher. Coulthard est sixième. En quatrième, pas une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, mais en cinquième place, Damon Hill. En sixième place, David Coulthard. Septième place, Ralf Schumacher. En huitième position, Heinz Harald Frentzen. Neuvième place, Alexander Wurz. Dixième place, Pedro Diniz. 11e position, Giancarlo Fisichel. Pas trop de surprise. Jean Alesi. En 13e place. Oui, elle fait une bonne qualification d'ailleurs. Elle fait une bonne qualification à Suzuka. En tout cas, ils s'est retrouvé au moins en 3e et 4e. Après un bon départ. Malheureusement, ils avaient dû abandonner. 17e place. Zanardi qui partira à 16e. Zanardi, justement, l'occasion d'en parler vite fait, puis de penser à lui suite à l'accident qu'il rencontre actuellement. Et en espérant que ce soit pas un. Ils finissent pas comme certains pilotes, en espérant que ce soit se retrouver toutes ses fonctions, toutes ses capacités, et qu'on puisse dire dans une semaine ou deux, ouf, Zanardi est sauvé. Déjà qu'il a eu un grave accident en 2001, vu l'usage de ses jambes. Donc voilà, le pauvre, j'ai envie de dire. Donc courage à lui, en espérant que ça se passe bien. Allez, on va revenir de coup sur la course. On part donc en tête. Derrière nous, on a la McLaren, le départ va être lancé, les feux vont s'éteindre et c'est parti. On va directement se caler sur le côté pour éviter que la McLaren nous dépasse. Ouais, on va rester à l'intérieur, hein, parce que du coup, la McLaren, la vitesse qu'elle a. Ça y est, c'est parti. Ouh, la McLaren qui est vraiment à toucher. Il y a une Ferrari qui est partie à la faute. Et on a du coup, par contre, une Ferrari qui est passée devant nous. Point virage. Ils ont l'air assez rapides dans les S quand même, c'est pour ça qu'on a perdu du temps au premier secteur. Ok, la McLaren qui est juste derrière. Et on sort large. Attention. Voilà, pression pour les deux pilotes McLaren déjà qui sont 3e et 4e. Nous, notre but, ça va être quand même de gagner la course, on va faire au mieux. Essayons de rattraper, je pense que c'est Irvine devant. Marreur, je sais pas. Dans la vraie vie, Hakkinen du coup avait fait un bon départ. C'était pas le cas d'Irvine et avait remporté la course tout simplement sans trop de problèmes. Pourtant le titre 99. Par contre dans la ligne droite on est beaucoup plus rapide.
Je sais pas si je le prends à fond, je sens trop. Terre, on va se passer à l'intérieur, enfin à l'extérieur, pardon. Et au freinage, ça se touche. On va passer à l'intérieur ici. La Ferrari sur le côté. Et on est passé. Du coup, pour avoir le classement. J'ai pas le temps de voir le classement en fait, parce que je suis vraiment trop concentré. C'est Schumacher qui était deuxième, et qui est troisième, Coulthard quatrième. Schumacher qui a fait le meilleur temps d'ailleurs. Donc là c'est vraiment la partie, faut pas faire de bêtises parce qu'ils sont vraiment rapides. Et derrière, je crois qu'il y a une McLaren qui est en train d'essayer de dépasser la Ferrari. Ouais, ils sont côte à côte. Vraiment que je passe bien, c'est... Oh, les deux McLaren d'ailleurs. Et Irvine qui a abandonné. Irvine qui a abandonné. Alors ça c'est une bonne nouvelle pour nous, en tout cas pour contre Ferrari. Par contre, contre McLaren... pour le moment, c'est pas bon. Cela pourrait bien relancer la course. On voit plus l'IA derrière moi. Et on part à la faute. Elle a pris un peu d'avance, c'est dommage. Et du coup, on a la McLaren qui revient. J'ai pas trop envie de faire comme Hamilton, hein, c'est-à-dire. Mi-16 à Abu Dhabi, c'est de ralentir pour faire revenir le paquet derrière et potentiellement qu'il puisse se faire dépasser par les autres, autres équipes. Ça serait vraiment, je pense, jouer trop pour l'imbécile. En tout cas, on s'éloigne dans ce dernier secteur. On est vraiment plus rapide dans le dernier secteur que. Donc il y a au moins un secteur où on se défend. Kylian Schumacher, Coulthard, Ralf Schumacher, Frenzen pour le moment. Un coup de théâtre ? Alors chaque fois qu'il va dire ça, évidemment, on va plus ou moins espérer que ce soit un pied de Ferrari ou peut-être McLaren qui a un problème. Mais j'ai quand même un gros doute, je pense que ça va être très difficile pour qu'il y ait une voiture qui abandonne. Surtout que même si une des deux McLaren abandonne, ils sont quand même bien placés dans le top 6. À mon avis, ça va pas changer grand chose. En tout cas, nous, notre côté, le contrat pour le moment est rempli, on est en tête. On pourra pas faire beaucoup mieux. Dans 2000 ce Grand Prix, c'est clair que ce sera pas forcément le Grand Prix le plus intéressant en termes de spectacle, j'ai l'impression, mais bon. Oh, et voilà. Ah, alors, et voilà, il est pour qui ? Pour l'instant, tant que je vois trois petits points gris sur le graphique à gauche qui suivent, ça sous-entend qu'il n'y a pas de changement en tête. Voilà, Kylian Schumacher, Coulthard, aucune évolution. Les McLaren ont tendance à un peu abandonner aussi. Hop hop hop, on a fait le meilleur tour en plus. Ah, les Vebras font vraiment perdre beaucoup de temps, enfin ils ont tendance à ralentir la voiture quand on va dessus, alors ce qui n'est pas forcément le cas en vrai d'ailleurs. Certes ça rend la voiture un peu plus glissante, mais pas forcément ralenti. Cela pourrait bien relancer la course. Donc, on commence à perdre de se passer derrière. Juste derrière nous, donc allez, on est au quatrième 10 tours à parcourir. Entre en terre à fond. Bon, faut espérer qu'il pleuve pas non plus, même si ça pourrait relancer la course, mais. De toute façon, on est dans notre. On est dans l'objectif pour le moment.
au niveau du classement. Häkkinen, Schumacher, Coulthard, Frentzen, les positions qui ne bougent pas. Ah, Hill qui est passé 6ème. Raph Schumacher, hein, tout à l'heure qui était mieux positionné. Si le spectacle ne vous pas chavirer, alors je n'y comprends pas. Alors que j'enchaîne les meilleurs tours, je fais aussi des bêtises. Un Schumacher qui abandonne, voilà, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Alors, je pensais pas qu'il allait forcément abandonner, mais en tout cas, il a perdu des places. Alors, on est à la mi-course. On prend le 130 en vue embarquée quand même, par deux. C'est vrai que potentiellement on aurait pu faire tout le jeu avec la vue. Avec la vue arrière. Mais la vue arrière, la vue embarquée, mais le problème c'est l'IA en fait. Je pense que l'IA aurait été très très bien faite, on aurait pu jouer comme ça. On aurait vraiment pu calculer l'avance, alors que comme elle est un petit peu anarchique, la seule moyen de pouvoir anticiper c'est la vue. Pardon, la vue extérieure. Désolé. Schumacher, Coulthard, Frentzen, pour l'instant les. Ça change pas. Différence. Au top tout le week-end et a vraiment mis toutes les chances de son côté. Oui, effectivement, tu peux le dire. Là, pour l'instant, on s'est mis toutes les chances de notre côté, mais bon, une course n'est pas finie. Alors, vous remarquez qu'on n'a pas eu de problème mécanique durant toute la saison au niveau des avaries. Alors, je pense qu'on aurait peut-être eu si on avait fait des courses plus longues. Peut-être que pour lire, en tout cas, il y a des problèmes. Alors, pour nous, zéro. On a une avance qui commence à vraiment être énorme. Ouais, ils sont à peine dans la ligne droite d'arrivée, quoi. Enfin, c'est incroyable. Incroyable. Pour l'instant, c'est incroyable, mais ça change pas chez nous. Ah. Et toujours. Toujours, je me fais avoir. Enfin, c'est marrant, il y a marqué 2002 à côté de Fuji. Là, j'aurais bien voulu savoir ce qui a marqué. Et c'était prévu en 2002. On se souvient par exemple sur le. Je crois que c'est le Grand Prix de au Canada sur la 195 ou 97. Le fameux Québec 2002. Avec, je crois que c'est les JO peut-être organisé au petit. Et encore une fois, je pars à la faute, super. Je sais qu'on a de l'avance, mais c'est quand même pas le moment de faire n'importe quoi. Parce que là par exemple, si j'abandonne et que le Ferrari termine. Mon troisième, on perd aussi le deuxième place du championnat. Hein. Bon. Alors faire très très gaffe. Cela pourrait bien relancer la course. Pour le moment, on est toujours premier. 8 tours sur 10. Pour clôturer cette saison 1999. Alors si on devait noter quand même les championnats qu'on a fait depuis la création de la chaîne, je pense quand même que ça est difficile de faire mieux que le championnat qu'on a fait sur F1 Racing. Sur la version IE, saison
la saison 2000, je crois, c'était. Où on avait quand même, dans le dernier Grand Prix, dans l'avant-dernier virage, failli être champion. On a été champion pendant 4, l'espace de 2 dizaines de secondes, avant que malheureusement il y ait l'accrochage. Et je pense qu'il n'y aura pas eu plus fou que cette saison. Mais 789 était plutôt pas mal aussi. Je pensais vraiment qu'on aurait une saison pourrie et honnêtement c'était peu bien passé quand même. Enfin, pour un jeu qui est pas exceptionnel. Ça sera d'ailleurs l'occasion pour nous peut-être de découvrir les crédits de ce jeu. Les crédits de fin de championnat. Comme on l'avait fait pour Formule 1 98, Formule 1 97. Même Formule 1 tout court. Pour l'instant, on ne voit pas le classement, donc c'est difficile. Voilà. C'est difficile de savoir où on en est. J'ai tellement d'avance. Alors, je rappelle quand même qu'on avait commencé chez BAR. Mais suite à un problème du jour, on était passé chez Minardi. Et on a eu quand même... Oui, il faut rappeler aussi les problèmes qu'on a eu hein, avec le jeu qui est planté plusieurs fois. Alors je pense que le problème a été résolu. C'était tout simplement une version du BIOS qui était une version bêta en fait. Et du coup, générer des bugs. Je pense que c'est résolu, en tout cas j'espère. On va croiser les doigts jusqu'au bout quand même. Mais c'est vrai que du coup, il y a eu 2-3 courses un peu tronquées à cause de ça. Ce qui fait qu'on aurait peut-être pu marquer plus de points. Ça c'est un petit peu dommage. Même si le spectacle ne vous fait pas chavirer, alors je n'y comprends plus. Même s'il y a eu des fois où ça n'a pas impacté grand chose puisqu'on était de toute façon trop loin. Encore 9 tours. Alors 9 tours non, évidemment, hein, toujours aussi buggé. C'est le dernier tour de la course. On va même rattraper, j'ai l'impression, certains pilotes. C'est longtemps qu'on n'avait pas mis des tours à certains pilotes hein, par contre. Pour dire à quel point on est vraiment au-dessus de performance. Ouh alors attendez, est-ce que là ça se bataille? Et mon équipier. Espérons qu'il ne me gêne pas. Je vais pas faire la banne de Marc Gêné, mais bon. On aura pris un tour à un pilote. Potentiellement aussi à notre coéquipier. Il n'aurait pas été d'une grande utilité, mais bon, ça on s'y attendait. Je pense qu'on serait resté chez BR, il y avait plus de chances. Mais bon, même Zonta n'avait pas l'air très au point. Mais par contre, Villeneuve, lui, par contre, a marqué des points. Ouais, c'est vraiment dans ce secteur qu'on est beaucoup plus rapide. Alors que le pilote Minardi il va arriver dans les derniers hectomètres de ce Grand Prix du Japon. Déjà couronné. Hey, il va toucher son coéquipier. Les deux Minardi qui vont arriver côte à côte sur la ligne. Minardi du coup qui va avoir un championnat pilote à son actif. Ils vont arriver côte à côte les deux pilotes. Et Stéphane Sarrazin qui remporte la course. Et voilà donc le classement final est Coulthard devant Schumacher, Häkkinen, Hill et Frentzen. Du coup, pour nous, alors que... Oui, on va faire une petite sauvegarde, évidemment. On va du coup voir découvrir ensemble ce championnat pilote et constructeur. Avec donc voilà le classement de la course. Et donc l'abandon hein, d'Eddie Irvine, Ralf Schumacher et de Olivier Panis.
peu d'abandon dans cette course. Et voilà, le championnat des pilotes, donc Stéphane Sarrazin qui remporte le titre, le pilote français avec 118 points, loin devant Hakkinen, Irvine et Coulthard, 73, 72, 52 points. Jacques Villeneuve aura marqué 1 point pour BAR, alors que Mika Salo aura marqué 2 points chez Ferrari. Akio, 5 points pour Stewart. L'occasion du coup de voir le classement final du championnat. Avec McLaren qui remporte le titre avec 125 points. Minardi termine seconde avec 118 points. On finit à, et on finit à 7 points de McLaren. Ce qui est pas assez évidemment. Ferrari termine 3ème avec 110 points. Et très très loin derrière, on a donc Jordan qui finit 4ème, comme d'ailleurs, avec 39 points. Non, pardon, 3ème, pour le Minardi, effectivement. 3ème avec 39 points. Williams qui finit 5ème avec 18 points. Stewart est 6ème avec 5 points. BAR finit 7ème, marque 1 point. On remarquera que Sauber n'a pas marqué de points. Prost non plus. Ainsi que Arrows et Minardi. Voilà donc pour ce championnat 99 de Formule 1. On va pouvoir rentrer entre nous. Nous allons faire quand même. Pour voir où on se situe dans les scores. Et dans les meilleurs scores du championnat, eh bien on se retrouve 4ème. On était quand même, regardez le niveau de difficulté, on était en expert. On marque quand même 108 points avec Stéphane Sarrazin. Donc c'est quand même pas particulier, mais bon. On va faire avec. On va faire OK. Et découvrir. J'espère en tout cas les endings de ce Grand Prix. On se retrouve pour le prochain championnat.